Alors, si vous pouvez nous dire quelque chose sur la compétition, comment a été votre participation cette année? En fait, la natation a bien été. Je suis sorti dans les quatre premiers, puis suite à ça, en vélo, on a travaillé fort, on était un groupe de trois. Donc, mon ami qui est arrivé deuxième, Charles Paquette, et puis l'Irlandais, donc on a travaillé les trois ensemble pour avoir un petit avantage pour la course à pied. Puis, en course à pied, j'ai eu des petits problèmes gastriques, donc j'ai pas pu pousser comme je voulais, mais là, je suis arrivé troisième, donc je suis quand même content. Oui, alors quels sont les obstacles que vous avez franchis dans cette compétition? Oui, donc c'est la première fois que je suis ici à l'arrache, puis troisième, je suis quand même satisfait, puis ça fait plaisir d'être ici. Oui, alors comment était le swimming? La natation a bien été. Il y avait des petites vagues, donc avec le soleil aussi, c'était un petit peu dur de se bien diriger, mais ça a quand même bien été. Et le niveau de compétition, comment étaient les participants des autres pays? Comment vous avez travaillé en groupe dans votre équipe? Le niveau de compétition était relativement bas, donc en vélo on était juste trois personnes, donc ça s'est quand même bien passé étant donné que le niveau en vélo n'était pas super fort, puis on s'entraînait pas en vélo, donc j'avais des bonnes sensations. C'est votre première participation cette année ou bien? À Arrache, oui. Alors comment vous trouvez l'ambiance dans la ville? Comment ça a donc le feeling? Beaucoup de gens partout qui encourageaient, donc c'était vraiment très plaisant. Puis, c'est la première fois que je faisais une compétition aussi tard dans la soirée ou dans le jour, donc c'était une belle atmosphère. Et l'équipe de Canada comporte combien d'éléments dans votre équipe? Combien de participants? On était, je dirais, environ 6-7. 7 participants du Canada, puis je suis content de partager le podium avec mon ami. Et le résultat de votre équipe, comment vous l'évaluez? La participation de votre équipe, comment vous l'évaluez? Assez bonne quand même. Il y a eu des très bonnes performances, puis des performances un peu moins bonnes, mais en général, c'est assez bien.